Salut tout le monde, c'est les Blondinés, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve sur Ride with Strangers, un espèce de jeu d'horreur en quelque sorte. Oulala. En gros, t'es une fille, comprends Jackson? D'accord. Press space to continue, regarde, il te fait déjà peur le mec. T'es Elora, c'est cette jolie, sublime, bonne meuf. Tu vas dans une réunion, donc c'est très très important, comme il est indiqué ci-dessous. Tu vas dans une interview et donc tu dois y aller le matin très tôt. Tu vas dans ta voiture, tu vas dans le trajet, mais sauf que lors de tes destinations, ta voiture tombe en panne. Putain de panne, voilà, il y a une idée. Du coup, t'es obligé de faire du stop et d'arrêter les inconnus. Et sauf que, bien évidemment, tu vas tomber sur des espèces de pédophiles. D'accord, sympathique. Ok, là, t'as la tête d'un des pédophiles. J'avoue qu'il a un peu une tête de Jean-Patrick. Alors, t'es Elora, donc voilà, te voici. Tu dois te rendre ici et tu dois faire du stop. Ok, il y a un petit panneau, là. Avez-vous vu, cette jeune fille, d'accord. Mon cul. Ok, déjà, ça rassure pas trop. Ok, je vais me rendre sur le petit point, là. Le petit point indiqué... ci-dessous. Barre d'espace. Là. Fail. Arrêtez-vous. Tu l'as vu? Mon cul. Oh. Oh, il a mis. Oui. Oh. Il s'est arrêté. Ok, ça y est. Salut mec. Il va monter à tu bord de la voiture. Tu peux pas m'emmener dans la destination, s'il te plaît? Oula putain, t'es pas beau. Oh. Good evening, child. Oula. What are you doing out there? Qu'est-ce que je fais ici? Veux-tu voir ma bite, il a dit. Il m'a demandé si je voulais l'accompagner. Viens comme on est bien, viens, viens comme on est bien. Je suis dans sa voiture, et on peut faire plein de trucs, genre allumer la radio. Non. Elle est cassée. Bon. Ah oui, on peut regarder derrière, on peut regarder à côté surtout. Il faut donner des petits coups de tête comme ça. Et il y a une petite barre qui se remplit petit à petit. Putain, en plus on a un temps limité, c'est dangereux. Oh, il est beau. Oh, il est mignon. La tête de paix qu'il a. Personnellement, je serais déjà sorti de la voiture, moi, mais bon. Mon gars, je peux presque plus regarder, regarde. J'ai rempli la barre. Ouvre la boîte à gants, Glovenbox. Elle est fermée. Bloquée, putain, mais tout est bloqué dans ce jeu de merde. Ouais, mais mec, mais t'arriveras jamais à destination. T'as vu comment que c'est long. Il y a un gars dans le coffre, mon gars, il a gueulé. Ah ouais, très chelou, cet homme est très chelou. Ok, d'accord. C'est bizarre. Alors je suis pas mal là. Oh. Yali. Cette tête de Jean-Patrick, lui, mon gars. Oh, y'a un mec dans le voilà, forcément. Oh putain, y'a un bruit de couteau, mec. Y'a un bruit de couteau. Putain, c'est chaud, mon gars. Oh, il se grattait l'oreille, je crois. Il baillait, je crois, non. C'est relou parce que la route, elle va toujours tout droit, mon gars. J'ai un meeting important. Ta mec. Hop là. Dans le coffre, mon. Il fait des espèces de bruits de porte. Ah ouais. Oh, y'a un feu, putain. Un feu de camp, ça c'est pour moi ça. Hop là, un petit coup de. Ouh. Il est vraiment chelou, cet homme est chelou. Ouh. Il doit te regarder, mon gars. Mais non. Qu'est-ce que je te disais? C'est chiant parce qu'en fait y'a rien. Tout est fermé. Oh putain, y'a un bruit de couteau, mon gars. À mon avis, il l'a chopé sur le côté de sa portière là. Il est prêt à te défoncer là. J'ai fait les deux. J'ai vu, il avait amené sa main, mon gars, comme ça. Là. Ouais, moi aussi, je l'ai vu, mon gars. Oh. Bon, voilà, les amis, c'est déjà la fin de ce jeu vidéo de Jean-Patrick. Hein, voilà, Jean-Patrick le pervers. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Abonnez-vous, les amis. Likez, partagez. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour plus de fun. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchou. Monte dans la voiture.